un bruit incessant. Nuit et jour, voitures et camions empruntent le boulevard périphérique nord-ouest, au grand dam des riverains excédés par le bruit. Pourtant, trois campagnes de mesures acoustiques ont été commandées par le Conseil général et légalement, ce périph' ne pose aucun problème. Mais dans les faits, c'est une autre affaire. On nous dit que c'est inférieur au maxima autorisé. Moi, j'aimerais mieux que ce soit inférieur au minima autorisé. Les 150 familles signataires de la pétition demandent un mur anti-bruit à proximité de leur habitation. Mais là encore, le Conseil général s'en tient à la législation, faute de moyens. On aimerait bien en mettre partout, hein. On aimerait bien que le confort soit pour tous le même. L'ennui, c'est quand, si on commence à mettre des murs anti-bruit à cet endroit-là, il faudra mettre des murs anti-bruit à tel autre endroit, et là, ça ne voudra plus rien dire, les seuils. Hein. Et on sera toujours demandé, il sera toujours demandé à ce qu'on en fasse encore plus. Autre souci majeur, le périphérique nord-ouest, qui a coûté 170 millions d'euros, ne débouche pour ainsi dire nulle part, puisqu'il n'y a pas de périphérique au nord de la ville. Résultat, les flux de circulation traversent la Membrolle sur Choisille, camions compris. Ils n'empruntent pas la A85, donc l'autoroute. Bah, tout simplement pour éviter de payer les péages, et ils traversent évidemment la Membrolle. Voilà, c'est un très gros problème, parce qu'aujourd'hui, j'ai environ 11 000 véhicules jour sur la route de Châtelet-Lahire. Depuis l'ouverture du périph', 2 à 3 000 véhicules de plus par jour empruntent les routes de la commune de 3 000 habitants, fréquentant des carrefours inadaptés à ce trafic. Une étude a été faite pour voir comment améliorer la fluidité de ces deux carrefours qui sont l'un à côté de l'autre. Ce qui dit fluidité dit réduction des nuisances sonores aussi. Donc l'étude est faite. On n'est pas sur une compétence du Conseil général, on est dans l'aglo, hein, on est dans, ou à la Membrolle ou dans l'aglo. Donc la balle est dans leur camp. S'ils font ces travaux-là, notoirement, on aura une baisse de ces nuisances sonores. Le projet du périphérique nord, qui aurait dû désengorger la Membrolle sur Choisille, a été abandonné par le Conseil général comme par Tour Plus. L'agglomération envisage seulement un prolongement jusqu'à Maîtré, ce qui ne ferait sans doute que déplacer le problème.